Un moment hors du temps. Alors que la 75e cérémonie du Festival de Cannes a ouvert ses portes, ce mardi 17 mai 2022, Virginie Efira aura marqué de son empreinte cette nouvelle édition. Et pour cause, alors que la palme d'honneur est remise à Forest Whitaker, Vincent Delerme s'est installé au piano pour jouer les premières notes de la mythique chanson de Johnny Hallyday, Que je t'aime. Si le musicien a demandé au public de chanter ce titre, Virginie Efira s'est alors joint à lui, proposant ainsi une émouvante interprétation de la chanson du taulier. De la douceur, des souvenirs et bien évidemment un hommage aussi au chanteur, décédé en 2017. Splendide dans sa robe argentée, signée Yves Saint Laurent, Virginie Efira a travaillé pour être une maîtresse de cérémonie parfaite. Ainsi, elle a avoué s'être entraînée avec la dernière maîtresse de cérémonie, Doria Tillier, j'ai appelé Doria Tillier, qui est une amie. L'important, si est-ce de dire ce que tu as envie de dire, m'a-t-elle précisé. Bah, moi, je n'ai rien envie de dire. Je pense surtout qu'il faut faire très court, pour ne pas être embarrassante pour tout le monde. Et transformer ce cérémonial en quelque chose qui transmet du plaisir, et nous paraît un peu essentiel, a-t-elle expliqué à Nice matin le 16 mai dernier. Virginie Efira, on devient fou ou narcissique mais ne pensez pas qu'orchestrer un festival de Cannes a été chose aisée pour Virginie Efira, qui n'est pas très fan des tapis rouges, j'ai du mal avec les gens qui en parlent comme d'un moment de vie incroyable, j'ai bien profité de mon tapis rouge. On monte juste des marches sous l'œil des photographes. Peut-être que si est-il parce que je fais toujours un pas de côté quand il y a quelque chose de sacralisé. D'où je venais, Cannes, c'était Hollywood, un temple. À partir du moment où on y est, on ne peut plus le valoriser de la même manière, sinon on devient fou ou narcissique, a-t-elle confié au JDD. Loading Widget.